Nous avons des domaines de compétences qui sont... On a beaucoup de choses à donner. Et je ne comprends pas qu'on soit mis au rebut juste du fait de l'âge. Je ne comprends pas. Mais la difficulté en ce qui concerne la France et les entreprises, c'est de changer la mentalité des entreprises qui aujourd'hui considèrent qu'un monsieur qui a 48 ans est un vieux, est un senior, et qu'il faut mieux prendre quelqu'un qui a 28 ou 30 ans. Alors si l'on continue comme ça et si on se souvient qu'on peut terminer ses études à 30 ans et qu'à 48 ans, on est un vieux, on a travaillé 18 ans de carrière, et qu'est-ce que l'on va faire quand on va vivre jusqu'à 75 ou 80 ans? Je suis convaincu que beaucoup de gens ici sont des ermistes, qui sont en fin de droit ou ainsi de suite. Donc, ils préféreraient toucher un SMIG que d'avoir leur RMI. Non, c'est un faux problème. C'est une hypocrisie de croire que la compétence de ces gens est trop chère. Faux problème. Il y a besoin d'avoir 50% d'emplois de seniors en 2010, donc il y a urgence. Les moyens pour y arriver vont être plutôt du domaine de la volonté des entreprises et de leur sensibilité par rapport à ce problème à résoudre. Mais aujourd'hui, ce qu'on vient chercher ici, c'est en fait faire connaître les opportunités qu'on propose à des personnes qui ne penseraient pas forcément à nous. C'est-à-dire qu'on peut proposer à des personnes qui n'ont pas d'expérience bancaire d'intégrer nos agences sur le métier d'entrée qui est le métier de conseiller accueil. Voilà, et sur ce profil-là, enfin sur ce poste-là, on recherche vraiment des profils très variés, dont des seniors. Ben, en tous les cas, c'est une solution à leur recherche d'emploi. Ils ont les compétences, ils ont l'expérience, ils ont déjà un vécu dans l'entreprise, ils savent comment fonctionne une entreprise. Donc ils ont énormément de qualités et de compétences qu'ils peuvent mettre dans une fonction de dirigeant de petite ou moyenne entreprise. Chez Generali, nous avons une quantité de personnes qui ont entre 20 et 35 ans de compagnie, surtout dans le réseau commercial. Ils sont là pour transmettre leur savoir. C'est très important, on les retrouve dans les centres de formation, on les retrouve à l'intérieur des équipes commerciales et on se retourne toujours vers eux quand un nouvel entrant vient d'arriver. On lui dit voilà, c'est un ancien, c'est un exemple, ça fait 20 ou 30 ans qu'il est là. Je recrute donc à longueur d'année, je fais de l'assistance technique, je travaille sur des chantiers. Donc le CV, quelque part, il ne vit pas, le CV est froid, le CV, ok, on a des compétences, on a un savoir, mais... Quand on a une personne en face de nous, je dirais quelque part, on a un CV, oui, mais directement le candidat, sa dynamique est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on peut partager en quelques minutes, on peut analyser en quelques minutes, je dirais, ses envies et son, là, le résumé rapide, certes rapide, de son CV. Cette journée était l'occasion de rencontre avec les employeurs présents dans le cadre des job dating, la présentation, donc ça rentre complètement dans la finalité et dans l'objectif du club senior. Cette technique-là est intéressante, mais il faut peut-être plus l'approfondir et il faudrait qu'il y ait plus d'entreprises aussi présentes. J'ai été informée par Puto Emploi. Je viens ici plus pour avoir des contacts avec des cabinets de recrutement, puisque maintenant les entreprises passent de plus en plus par les cabinets de recrutement, parce qu'elles font une sélection à la base. Donc c'est de pouvoir déposer un maximum de CV et pouvoir obtenir par la suite des rendez-vous. Je n'ai pas vraiment de stratégie, je crois qu'il faut rester naturel, voilà. C'est comme ça que ça marche en général. Nous avons réfléchi avec les partenaires sociaux. Et une des solutions qui a été proposée, que j'ai moi-même proposée au ministre d'abord Bertrand et aujourd'hui Laurent Wauquiez, c'est d'avoir un bilan de compétences à 45 ans. On s'est aperçu que 45 ans est un âge où encore on pourrait faire autre chose si l'on voulait. Si l'entreprise a l'obligation, parce que ça c'est cela, l'obligation de proposer un bilan de carrière à 45 ans, et ça peut permettre aux salariés de retrouver un emploi. De toute façon, le ministre me l'a dit, essayons. Si cela ne fonctionne pas, eh bien on essaiera de trouver autre chose. Mais aujourd'hui, on ne peut pas être figé. L'emploi, c'est l'emploi. Et on ne peut pas se retrouver avec des personnes qui sont vraiment sur le bord du chemin en disant « on fait quoi ?»